Enchanté. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Bonjour. C'est parti, ça y est. Ouais. Je me doute, c'est le premier jour en plus. Enfin, des choses en d'ouverture. Calé, donc, un totem là, ça sent. Ouais. Voilà, ouais. Pour mettre en valeur. Ouais. En fait, c'est bien diversifié. Je suis fier voilà, d'être le parrain du Fury du Nord. Ouais. L'auteur doit toujours avoir une avance sur son lecteur, ouais, parce que lui sait, mais pas trop grande, ouais. Et pas trop petite. Enfin, après, pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire si le lecteur, à un moment donné, se met à avoir de l'avance, et il se dit, mais ah oui, mais moi, je sais qui c'est, comment ça se fait que l'auteur n'en parle pas, etc. Voilà, et en fait, c'est peut-être ça le plus difficile. Dis-moi, Franck, qu'est-ce que tu en penses si tu dédicaçais quelques livres d'avance pour les clients qui ne sont pas là ce soir et qui aimerait se procurer de ton livre dédicacé? Ah bah écoute, je vais faire ça avec grand plaisir, mais j'ai juste l'impression qu'on n'a pas reçu les livres. Ah bon? Quel bon acteur! Jean-François est un excellent acteur. Ah bah autant en profiter, ouais, autant ça va faire. Profiter, hein. Ça fera une surprise. Alors, quel prénom? Moi, c'est Antoine. Il est venu spécialement pour vous. Ah, c'est gentil. Véhiculé par les images et l'impact des violences, de la violence sur. Faut laisser faire le truc. Voilà. Je tiens pas à ce que vous me dites, la femme. Donc, Attacard, c'est vrai que j'aborde de nouveau le thème de la violence. Dans le syndrome, je m'intéresse à la violence contemporaine, c'est-à-dire comment aujourd'hui elle existe et comment elle se propage entre les individus. Et dans Gattaca, je me suis intéressé plus sur l'axe temporel, c'est-à-dire de comprendre comment la violence avait pu se propager depuis les tout premiers hommes à aujourd'hui. Donc est-ce que c'est plutôt culturel? Est-ce que ça a rapport avec l'ADN, avec les gènes, le fameux gène de la violence? Donc c'est vraiment autour de ce sujet-là que tourne le roman. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches dans mes romans. Alors Gattaca, il y a eu énormément de documentation sur tout ce qui est génétique, évolution, l'ADN, ça tourne aussi de l'étude des tribus, enfin de toutes les populations. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes aussi dont la spécialité était axée autour de la biologie. Je suis allé passer pas mal de temps au CHR pour rencontrer un médecin légiste, des docteurs. Donc voilà, il y a eu pas mal de documentation. Alors le but, c'est d'essayer de transmettre, en plus de la lecture, du suspense, de transmettre de la connaissance au lecteur. C'est que le lecteur sort de sa lecture en ayant appris quelque chose et voire même en ayant l'envie de creuser un peu, de creuser un peu le domaine que j'aborde dans mon écriture. Donc nous y voilà, le jour J, le Fury du Nord de la Cité de l'Europe vient d'ouvrir ses portes. Juste derrière moi, vous avez une magnifique librairie. Je suis vraiment très fier et honoré d'être le parrain du Fury du Nord. Pour un auteur, c'est toujours un moment très, très intense, très fort de se retrouver au milieu des livres, de voir une librairie s'ouvrir. Et je voulais surtout souhaiter une grande réussite à toute l'équipe du Furet et leur souhaiter aussi tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle aventure.